Varsovie, fin juillet 1944. Il y a à peine 2 mois que les Alliés ont débarqué en Normandie. Rome est libérée, Paris le sera bientôt. George Debinski avait alors 15 ans, et il se souvient. À l'Est, l'armée rouge a repoussé les Allemands jusqu'aux portes de la ville. C'est le moment que va choisir la résistance polonaise pour déclencher le soulèvement de la capitale de la Pologne. Dans cette bataille pour la liberté, c'est toute la société civile et militaire, les scouts et les mouvements de jeunesse, les prêtres et les religieux qui vont affronter l'armée allemande et rivaliser d'ingéniosité, d'audace, de courage pour compenser l'extrême faiblesse de leurs moyens. Mais en ces heures précédant le début de la bataille, l'atmosphère est au frémissement. Celui d'un peuple qui se prépare depuis 5 ans à ce rendez-vous avec son histoire. Filmprojekt hat mich meine Leidenschaft geführt, die Kunst. Vor 5 Jahren konnte ich meine Anwaltstätigkeit in Berlin endgültig in den Orbit schießen, um mich dem zu widmen, was mir wirklich am Herzen liegt. Geschichten, Geschichte erzählen über das Medium der Illustration. Während unserer Spurensuche im heutigen Warschau möchte ich frische Inhalte entdecken, die meine Kunstprojekte über Erinnerungskultur mit neuem Leben füllen. Mieszkam w Warszawie od niedawna i bardzo chciałam zrozumieć, poczuć to miasto. Chodziłam ulicami, oglądałam budynki, zaglądałam do środka, przyglądałam się ludziom, zadawałam im pytania i nagle Warszawa, dotąd zwykła, stała się jakaś taka ciekawa. Odkryłam inne wymiary, poznałam ludzi niezwykłych, bardzo ciekawych, ich historie bardzo przejmujące i postanowiłam poszukać miłości i rzeczy pozytywnych w Warszawie, w mieście, które jest niezwykle tajemnicze dla mnie. Je suis née de parents polonais et j'ai grandi à Paris. J'ai toujours été intéressée par les différences culturelles qui existent entre la France et la Pologne parce que je les ai vécues de près. Et avec l'ouverture des frontières, j'ai pu beaucoup voyager, ce qui m'a permis, une fois sur le terrain en Pologne, de me rendre compte qu'il n'y avait rien à voir entre ce que j'ai appris dans les livres d'histoire et ce que j'ai effectivement vu comme réalité de terrain. Alexandra, Roman et Maria sont 3 jeunes Européens. Ils se retrouvent à Varsovie pour investiguer sur les événements de la Seconde Guerre mondiale qui ont touché la ville et sa population.
Cette quête va être pour eux un voyage de retour sur les traces du passé, au cours duquel ils vont retrouver des femmes et des hommes qui ont participé à ces événements. Le 12 août 1939, Eva Braun, la compagne d'Hitler, filme avec sa caméra couleur le Führer sur sa terrasse du Berghof. Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich l'ont rejoint. Ce sont eux qui vont mettre en œuvre la terreur dans les pays conquis par les nazis. En ce mois d'août, Hitler prépare une grande offensive militaire qui vise la conquête de la Pologne. 1000 avions de la Luftwaffe viendront en appui des chars et de l'infanterie au sol. Le 1er septembre 1939, Hitler attaque la Pologne par l'ouest et le nord. 17 jours plus tard, Staline et la Russie, alors alliés d'Hitler, l'attaquent également, mais par l'est. La Pologne est prise en étau. Le 1er septembre 1939, je n'avais pas encore 7 ans, donc j'étais une petite fille. Et pour moi, la guerre, c'est vraiment les bombardements allemands. Donc, une vague arrivait, avec les bombardements, les bruits de la bombe qui est éjectée, qui siffle, et le chaos, le bruit terrible de la bombe qui tombe. Accompagné évidemment d'un terrible déplacement d'air, d'un air aigre, plein de poussière. Et donc pour moi la guerre, j'ai compris que c'était la guerre par les bombardements. Varsovie est la première ville d'Europe à être bombardée aveuglément et massivement dans le but de terroriser la population et de briser sa détermination à combattre. Contrairement aux idées reçues, la Pologne résiste farouchement 5 semaines, soit aussi longtemps que durera la campagne de France en mai-juin 40. Alexandra découvre dans un livre les souvenirs de Bogina Monde, une jeune fille de Varsovie, lycéenne et membre du scoutisme, qui fut combattante auxiliaire dans l'armée de résistance polonaise, communément appelée AK pour Armia Krajowa. Le 28 septembre, Varsovie capitula. Nous nous tenions avec Ginek à l'angle des rues Szuszka et Puławska et voyons les troupes allemandes arriver du côté de Sujewiec. Un soldat a lancé une pomme à un petit garçon. Mais sa mère l'a prise et l'a relancée à cet Allemand. Cette scène marqua pour moi le début de la résistance à l'occupant. Il y a deux résistances en Europe qui sont les plus puissantes. C'est la résistance polonaise et la résistance yougoslave. Ces deux-là sont les plus grandes résistances qui ont infligé le plus de pertes aux Allemands. La résistance polonaise, l'armée de l'intérieur, mobilise en lutte permanente contre elle sur le territoire polonais 1 150 000 soldats allemands qui ne peuvent pas combattre sur les fronts. Mon expérience était très différente de celle d'Anne Frank. Je vivais dans Varsovie occupée, mais je n'étais pas cachée, ni enfermée dans un ghetto. Je pouvais me déplacer librement, dans la ville et hors de la ville. Et je n'avais pas faim, ni peur. Je pouvais faire de la résistance. La société en résistance ne résiste pas seulement, elle combat, elle est formée pour combattre, mais pour combattre par tous les moyens possibles. L'occupation n'est pas seulement militaire par l'Allemagne. L'occupant allemand est
chargé par Hitler de détruire la Pologne, de détruire ses élites, physiquement, par l'assassinat, mais aussi, depuis la naissance, par la formation ou l'absence de formation. On a du mal à s'imaginer que les lycées sont interdits. Il est interdit de donner des cours de littérature polonaise, d'histoire, de géographie, de philosophie. Toutes ces matières qui forment l'élite intellectuelle sont interdites. Et donc, ils se forment. Par contre, les Allemands ont besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, ce sont des écoles pratiques, notamment par exemple des écoles de commerce ou de comptabilité. C'est sous ce nom qu'agit et fonctionne le lycée où va ma mère, Bogina. Elle passera toute l'occupation dans un lycée dont les directrices sont des héroïnes de guerre, parce que non seulement elles enseignent toutes les matières polonaises traditionnelles avec une qualité extraordinaire qui aboutira à un baccalauréat tout à fait de la qualité d'avant-guerre, qui ensuite, en ce qui concerne les scouts, va assurer des séjours à la campagne où c'est une formation paramilitaire qui est donnée aux jeunes filles, c'est un lycée de jeunes filles. Et de plus, elle protège une juive avec son enfant, je crois, qui habite dans le grenier du lycée. Cette résistance intellectuelle est tellement importante que l'action armée lui sert de récompense. Par exemple, que de mauvais élèves qui n'ont pas fait leur travail, qui ne font pas d'efforts intellectuels et scolaires, vont être privés d'action armée. Pendant ces années d'occupation, Bogina et ses amies de classe sont de jeunes citoyennes très actives. Elles mettent sur pied des patrouilles de scouts où elles se préparent à devenir agents de liaison, courrier et infirmière pour une éventuelle bataille à venir. Il faut apprendre à se servir de cartes, à bien connaître la ville, les passages qui mènent d'une rue à l'autre, à bien réagir en cas de fouille, d'arrestation. Avant le bac, un instructeur leur apprend même le maniement des armes. Bogina se réunit aussi avec un groupe de jeunes filles pour discuter de morale et commenter les évangiles. Pour le peuple polonais, l'insurrection qui se prépare est aussi une insurrection de l'esprit. Urodziłem się w Warszawie w 1932 roku. Jestem jak wówczas w czasie powstania warszawskiego w 1942 roku miałem zaledwie 12 lat. Ale już byłem przyjęty do harcerstwa, do szarych szeregów. A w ogóle chcę Państwu powiedzieć, że z chwilą najazdu Niemiec hitlerowskich na Polskę to spokojne harcerstwo zostało przygotowane, jak gdyby przemianowane z zabawy w walkę. Ja na przykład bardzo często miałem zadanie liczenia, ile bochenków chleba z piekarni biorą oddziały niemieckie. Nieraz musiałem przesiedzieć 10 godzin na ulicy Modlińskiej i obliczyć, ile samochodów wojskowych przejechało w jedną i w drugą stronę. Oczywiście siedziałem tam z koleżką, rozmawialiśmy o czym innym, mieliśmy piłkę, mieliśmy jakieś tam zabawy, gry, ale liczyliśmy dokładnie, ile samochodów niemieckich pojechało w stronę Pragi, a ile w stronę Modlina. Ile bochenków chleba. Ja się dziwiłem strasznie, dlaczego ja mam obliczać te kosze chleba? A mój przełożony mówi mi, słuchaj, jeżeli obliczysz dobrze bochenki chleba, to tak jakbyś obliczył żołnierzy będących w koszarach niemieckich.
Adolescents, nous gardions encore notre nature enfantine. Nous nous lancions dans de nombreuses actions comme si c'était un jeu, alors que les conséquences en étaient hélas souvent tragiques. J'ai été témoin de crimes hitlériens et d'horreurs qui m'ont marqué profondément. J'ai vu des scènes dramatiques dans les rues du ghetto, par où nous passions en tramway. Il était interdit d'en descendre et même de regarder par les fenêtres. Je me sens incapable de trouver les mots appropriés pour décrire l'impression que m'avait laissée la misère et l'humiliation des gens, à moitié morts couchés dans les rues. La vue d'un cadavre nu suspendu à un balcon nous avait effrayés, au point de nous couper le souffle. Au printemps de 1943, nous regardions impuissante le ghetto insurgé en feu depuis la terrasse du 8e étage de notre lycée. Une vue que rien ne pourra effacer de notre mémoire. Rue Leschenaux, depuis les fenêtres de l'appartement où nous tenions une réunion de scouts, nous avons vu un camion allemand qui avait amené des prisonniers, des résistants polonais. On leur avait mis du plâtre dans la bouche pour qu'ils ne puissent crier ou chanter des thèmes patriotiques. La mère de Gida nous a interdit de regarder leur exécution. Fusillés, leurs corps ont été pendus au balcon. The Jewish community of Warsaw before World War II was something that's really unique in history. Over a third of the city was Jewish. When we look at places like New York as being so Jewish, it's maybe 25%, maybe 20%. Warsaw was 33%. You know, it was a city so filled with Jewish culture, both with Jewish culture, Jewish religious life, but also with all kinds of integration with Polish society. So you had both a vibrant Jewish life within the Jewish community, every kind of expression of Judaism, ultra-Orthodox, Orthodox, progressive, secular, Yiddishist, theater, study of Talmud, Hasidism, Zionism, everything. And at the same time, you had these same Jews, many of them, not all, but many of them, were involved in Polish life, intellectual life, poets, philosophers, economists, doctors, lawyers. It was, in a sense, a vibrant Jewish city, as for the community and as for the city. Really almost unequal to anywhere else in the world ever in history. Alexandra rend visite à Larissa Quint dans un cinéma parisien où celle-ci vient témoigner de son expérience du ghetto de Varsovie à des lycéens. Ce jour-là, on diffuse le film « Le temps du ghetto » de Frédéric Rossif. Dans un premier temps, les races slaves pouvaient servir la race des seigneurs. Et puis il y avait 15 000 de gens comme nous qui nous cachions et on nous appelait les chats sauvages. Des familles entières de juifs se jettent par les fenêtres. Les os brisés, ils essaient encore de ramper. Des mesures ont été prises pour que ces juifs soient immédiatement liquidés. Dès le début de l'occupation de la Pologne,
les nazis commencent à persécuter la communauté juive. Alors qu'ils constituent un tiers de la population de Varsovie, les Polonais juifs vont être regroupés dans 3% de la superficie de la ville, soit une densité de 7 personnes par pièce. Près de 500 000 personnes vont vivre dans ce qui sera le plus grand ghetto de la Seconde Guerre mondiale. Les seules images animées du ghetto ont été filmées par les nazis eux-mêmes et sont des images de propagande. Dans ces conditions de vie anormales, absolument anormales, eh bien, on a dit, nous voulons vivre comme des gens civilisés. C'est pas parce qu'on nous l'impose, nous, on veut vivre comme des gens civilisés. Et c'est pour ça, il y avait des concerts, il y avait du théâtre, il y avait des activités, et on s'occupait des autres. On s'occupait beaucoup des enfants, il y avait des coins d'enfants où on les rassemblait, où les enfants qui n'avaient plus rien, on essayait de les nourrir. Donc, le ghetto a représenté une espèce de résistance civile avant qu'elle ne soit armée. Mais les conditions de vie y deviennent rapidement effroyables. La nourriture manque, les maladies déciment la population, la vie et la mort se côtoient sur le même trottoir, avant que les déportations vers le camp d'extermination de Treblinka ne vident progressivement le ghetto. Et mon père a construit une échelle, une grande échelle, puisque le mur qui nous entourait mesurait 3 mètres de haut, avec des barbelés par-dessus. Et un soir, alors que il y avait un couvre-feu, on n'avait pas le droit au-delà d'une certaine heure qui variait. Tantôt c'était 7h30, tantôt c'était 8h, qui variait, mais c'était durant le couvre-feu que mon père a apporté cette échelle, on l'a placée et on a sectionné les fils barbelés qui couraient sur le mur du ghetto. J'ai donc monté tous les échelons de cette échelle, toute seule. Et je me suis trouvée sur le mur. Et malgré la peur qui m'a saisie, j'ai sauté dans la neige et un ami de mon oncle Alexandre est venu me chercher. Je suis partie toute seule. Parce que Alexandre n'a trouvé qu'un endroit pour qu'on puisse me cacher. Donc moi, pour survivre, j'étais obligée de me séparer de mon père, puisque je n'avais plus que lui. Et c'était vrai pour toutes les familles. Les enfants étaient obligés de se séparer de leurs parents. Pour avoir une chance de survie. Depuis 1939, les leaders et une majorité de la population juive croyaient qu'en respectant la dure loi imposée par les occupants, ils réussiraient à survivre jusqu'à la libération des Alliés. L'idée d'un génocide planifié était difficile à admettre. Durant l'année 1942, les doutes sur les plans des nazis se dissipent peu à peu. L'aide aux Juifs doit être coordonnée immédiatement et à tout prix. Deux activistes de la résistance polonaise, l'une catholique conservatrice, Zofia Kossak, l'autre catholique socialiste, Wanda Krajewska, galvanisent un front uni en fondant la commission clandestine d'aide aux Juifs, nom de code Jegota. En Pologne, toute personne qui venait en aide à un Juif était punie de mort. Cette loi rendait difficile de trouver des volontaires pour héberger ceux-ci. Jegota se chargeait alors de trouver les cachettes. Ce qui est extrêmement héroïque en Pologne, puisque les lois
que les nazis ont promulgué condamne à la mort immédiate tout Polonais, même s'il tend un verre d'eau à un juif. Toute aide à un juif de la part d'un Polonais chrétien est punie de mort. Et beaucoup de Polonais sont morts ainsi. Pour l'aide à un juif, c'était des immeubles entiers de Polonais qui étaient exécutés. À Varsovie, la section de l'enfance de Jegota, dirigée par Irena Sendlerova, réussit à placer environ 2500 enfants juifs sortis du ghetto dans des familles polonaises, des orphelinats et des couvents. And almost immediately, there began discussion of what do we do? And I mean, these are questions that one should never have to ask. Is it my responsibility to save myself? Is it the responsibility to save my family? Is it the responsibility to save my community? And what is the most important? Because often there were three different responses. To save myself, I'm a young kid, 22 years old. The best thing is somehow to sneak out of the ghetto and go into the woods and have a chance. But do I leave behind my parents, my grandparents? And if I'm 25 or 26, probably my wife and little kids. What's more important? For me to survive or to help my family to the last day of life? And then the next level is that even, let's say, I'm an orphan, I have no family. Is my main responsibility to save myself? To try to save my community? And so all the time there's a discussion back and forth, particularly among young people who were the able-bodied who could really fight. What do we do? And there was more or less an understanding that if there would be an uprising, it would be the end of the ghetto. That probably no one would survive. The uprising was not so much about fighting for survival, it was about fighting to make my life have meaning. Au printemps 1943, au grand étonnement des nazis, des organisations juives de combat, composées de quelques centaines d'insurgés, vont se révolter. And the Germans were so shocked that they didn't know what to do. So the Germans decided the way they would deal with this uprising was to blow up every building in the ghetto. And they brought in flamethrowers. And they blew up basically every building in the ghetto until nothing stood. And you can see today photos of Warsaw 1945. And you see many, many buildings in Warsaw just standing shells. Just, you know, the walls are left. And that's from the Polish uprising of 44. But when you get to the ghetto, it's just rubble. Not even the walls remained. You could see the difference, both horrors, both death and destruction, but to the extent. And so, the Warsaw Ghetto Uprising, done by a few hundred people, almost none of them with military experience, with very few arms, opposed the strongest army in the world. L'impact moral de cette révolte au ghetto laissera une trace profonde dans les consciences. Un rabbin dira « Aujourd'hui, le choix que vous avez n'est pas de mourir, mais de vivre. Et pour vivre, il faut montrer que la vie est importante pour vous. » To jest obraz z 1943-1944 roku po powstaniu w getcie. Kiedy skończyło się powstanie, został tylko ten kościół, który tu widać. On jeden ocalał, tutaj to jest to, co wszystko widać z mojego okna. L'histoire de Christina est impressionnante. Quand la guerre éclate, elle habite une grande maison dans ce qui sera le ghetto, avec ses parents, six frères et une sœur. De la vie au ghetto, elle va tout connaître.
Quatre ans plus tard, elle sera la dernière personne vivante à sortir du ghetto de Varsovie. Wydaje mi to jest bardzo, tego się nie da powiedzieć ani krótkim zdaniem, ani nic. To wszystko było, to był jeden wielki koszmar. Jeden wielki cały czas ukrywanie się, ucieczka, łapanki, ukrywanie się powiedzmy w jakichś skrytkach, a później w bunkrze. Byłam w bunkrze przez 9 miesięcy pod ziemią i tam zastało mnie powstanie. Już dwóch moich braci było wywiezionych do Treblinki razem z rodzinami. Bunkier ten był na ulicy Zamenhofa i to był bunkier zbudowany poniżej poziomu piwnicy. To było zejście do piwnicy, a piwnica była jeszcze bardziej pogłębiona. A dookoła była obsypana ta ziemia, którą się wydobyła, prawda, z tej podłogi, szła na boki i na sufit, prawda. To później, jak się getto paliło, to znaleźliśmy się w piecu. Dosłownie ta ziemia, którym było toczona taka ziemianka, jak gdyby, to się znalazło, to było piekło, to był piec. I wtedy, ale mieliśmy tą ucieczkę do kanału. Jak uciekliśmy do kanału, to tam było chłód, był, ale z kolei, prawda, nieczystości, szczury i tak dalej, no to wszystkie to, co się wiąże z kanałem ściekowym, kanalizacyjnym przecież, to później, jak się Niemcy zorientowali, że to jest droga ucieczki, to rzucali bomby gazowe. To nie mieliśmy żadnych masek gazowych, uciekaliśmy z powrotem do bunkra i tak tam gorąco, to chcieliśmy się ochłodzić, jak tutaj. No i tak było, to trwało, dopóki mury nie ostygły. No i trzeba było, a nam się w tym czasie zawalił też tam, gdzie mieliśmy te zapasy, jakieś worki były z kaszą, jakieś coś tam, to się wszystko spaliło. I trzeba było się już stamtąd ewakuować, uciekać, bo to już nie dało ten, no. Jak uciekliśmy, to moi rodzice już zostali tam, nie mieli sił wyjść, byli bardzo słabi. I z nimi została moja siostra, która miała te 24 lata, nie chciała ich zostawić. A ciągle liczyliśmy, że może ktoś przyjdzie i ich uratuje. Ale nie było możliwości. To październik, wrzesień, październik 1943 roku. Pół roku dosłownie w kwietniu było powstanie w getcie, a ja wychodziłam z getta, znalazłam notatkę nawet w Żydowskim Instytucie Historycznym, w którym kobieta jakaś opisuje od strony aryjskiej. I tam takie zdanie, kiedy już żywej duszy w getcie nie było, dostaliśmy wiadomość, że rodzina jeszcze jest tam, prawda, i że to był 17 września. Także stąd wiem, widziałam, że wrzesień, ale tam jest dokładna data, kiedy myśmy wyszli. I ona już wspomina tylko mojego brata, moją bratową i mnie, bo już najmłodszy brat też już wtedy topił się w kanale i umarł. A ten jedyny brat, który mi został, to w 1944 roku ktoś go wydał i w gestapo go zabrało i został rozstrzelany. A co ważne jest to, że kiedy wojna się zaczęła, to byłam w wielkiej rodzinie. Kiedy wojna się skończyła, byłam już tylko sama. Ja jedna przeżyłam z całej rodziny. Ja wojna się skończyłam, ja nie miałam do czego wrócić. Ani domu, ani rodziny, ani nikogo.